vous accueillir sur le site de Beauregard. Alors Beauregard qui est transformé en Poudlard depuis hier. Mais quand vous voyez ce magnifique château, on ne peut penser qu'à Harry Potter. Harry Potter est né en 1997. Ça fait 24 ans qu'Harry Potter est devenu ce petit héros malgré lui qui nous embarque tous. Eh bien, bienvenue à Gryffondor, je te félicite, on peut l'applaudir bien fort. Bravo. Vous avez le petit train qui vous emmène à Poudlard, vous avez un atelier de magie. On est très heureux de vous accueillir vraiment dans l'enceinte revisitée du château de Beauregard, qui est aujourd'hui un château de sorciers. Donc à ma droite, il y a un escape game, à ma gauche un autre escape game sur le thème d'Harry Potter. Et donc au fond du château, la salle de réception d'Harry Potter, la salle emblématique qui a été aujourd'hui reconstituée par les équipes donc du service jeunesse ainsi que les partenaires qui ont travaillé longuement pour qu'on puisse aujourd'hui créer ce festival du Beauregard des sorciers. On est très content aussi parce qu'on a vite été dépassé. Alors sur la première journée, on a été plus de 4000 personnes sur le site. Vraiment un vrai succès. Et aujourd'hui, dimanche, fin du festival avec un superbe concert, nous sommes également plus de 4000 personnes. Les enfants sont nombreux, les familles aussi. C'est un moment de pause et de lien qui était bien nécessaire entre nous. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir répondu présent. Un seul mot à dire, Wingardium Leviosa et à l'année prochaine.